Si vous voulez vous abonner à ma chaîne Sibyl la débrouille 2.0, abonnez-vous, je vous attends. Coucou et bienvenue, laisse un commentaire et abonne-toi. Hi, tu vas bien? Je te laisse regarder. Yo! Hi! Ça va? N'oublie pas. Mais deux petits pouces, un pouce, ça fait plaisir. Bah oui, tu mets un petit commentaire parce que ça m'encourage énormément. Allez, je vais te montrer mon petit retour de course. On y va? Bon, alors, tout d'abord, j'ai acheté des champignons 1 € que je vais faire en salade. Je les adore. Franchement, 1 €. Alors, la dernière fois, je les ai mangés une fois et la deuxième fois, j'ai pas pu les manger, ils ne sont pas gardés. Et pourtant, ils sont bien au frigo, mais je sais pas. Donc, faut pas les ouvrir, en fait. Une fois que tu les ouvres, faut les manger, je crois. Sinon, ça ne se garde pas. Même, je vais essayer quand même de les mettre dans les sacs hermétiques. On verra bien. 1 €. Des petites salades sucrines, 1 € parce que je suis une feignasse. Feignasse de chez feignasse. Je ne sais pas s'il faut les laver. J'espère que non, parce que j'ai pas envie. En valeur. Je sais pas. Faut que je regarde. Peut-être faut que je les lave. J'en sais rien. Dites-moi. Dis-moi en commentaire s'il faut les laver ou pas, parce que j'en sais strictement rien. Je sais, je suis habillée, je suis coiffée, je me suis attachée les cheveux parce qu'il fait chaud. Bon, bref, après ça va être copyright, même si je suis en faux. Du coup, voilà, de la salade. Ça ressemble un peu au chou, je trouve, mais bon. J'ai pris des gourmets, parce que Ivy est très difficile en ce moment, et comme il fait chaud, je vais mettre la clim là, et bientôt je vais mettre la clim, hein. Je finis la vidéo et je mets la clim, t'en as rien à faire, mais je te le dis, voilà au cas où. 1,75 €, c'est encore, ça va, ça n'a pas encore augmenté. Des carottes, soit je crois que je les ai payées 75 centimes, voilà, bah, elles sont délicieuses, elles sont au citron, franchement, Marco Champ, il rappelle tous les produits, mais bon, je me dis, excusez-moi si je fais ça avec le nez. Alors ça, c'est tout nouveau, 1,50 €, et c'est des roulés au poivron et au fromage. Bah, moi, je vais goûter, voilà, de ce soir, le soir, je vais m'en manger un, et puis, vous voyez, regardez, ils sont comme ça, ils sont tout pleins de poivre ou je sais pas quoi. 1,50 €, je ne connaissais pas. Donc on va goûter. Des chips, alors je sais que c'est pas bien pour le rééquilibrage alimentaire, mais quand il fait chaud comme ça, vous n'avez pas envie de faire cuire des pommes de terre, vous n'avez pas, à part des haricots verts que vous pouvez manger en salade avec des petites tomates. Hier, je me suis fait tomates, mozzarella, jambon, ciboulette fraîche, petits poivrons. Et il manque des trucs. Et des tomates ananas. Les grosses tomates jaunes ananas. Voilà. Et il y a d'autres choses, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Pas grand. J'ai tout mangé. J'ai pris, je ne sais pas combien, 1,45 € le paquet de... J'ai pris ceci. Alors, moi, j'avais l'habitude de prendre les extrêmes. Elles sont presque à 4 €. Et là, elles étaient à 2,18 €. Et c'est la même chose, c'est des citrons framboises. Donc... 2,18 €. Je vais commencer à prendre la marque Auchan. Mais je préfère aller à la Belle Vie, c'est beaucoup moins cher. Alors ça, Andros, j'ai pas regardé la date, c'est pas grave, je la vois pas. De toute façon, maintenant, il va falloir que j'aille voir pour mes yeux. Eh bien, écoutez, je connaissais pas du tout. Rhubarbe, morceau, moi j'adore. Et elle était moins chère que les autres. Les autres, elles étaient à 2,63 €. Celle-ci, elle était à 2,40 €. Ensuite... Feignasse, c'est le nom qu'on me donne. Regardez, j'ai même pas fait ma racine, non, mes racines enfin. Feignasse. Mais je peux pas parce que j'ai plus d'eau chaude. Ah ouais, non, mais. De toute façon, je vous le dis, je vais déménager, hein, mais c'est incessamment, quoi. Dans l'année, je déménage. Si je peux y aller avant Noël, ce serait bien, mais c'est à moi de prendre la décision. C'est-à-dire, comment te dire, c'est à moi de me dire, Sibyl, oh, oh, sors de ta zone de confort et barre-toi de là. Voilà. Là, il y a ma maman, il y a tout ça, donc c'est un peu complexe. Voilà, puis il y a ma famille, il y a mon fils, c'est ma vie. Donc voilà.
Et Ivy, elle va être compliquée. Ça va être compliqué. Mais j'ai vu qu'il y avait un sac à chat où vous pouvez. Elle va dedans et en plus, elle a de l'extérieur tout protégé. Et donc moi, quand je vais déménager, le jour où je déménagerai, eh bien, j'achèterai ce sac à chat et qu'en plus, elle peut avoir une extension des deux côtés. Et ça, c'est génial. Et quand on l'emmène, hop, on replie. Et ça, c'est super. Et du coup, c'est ça que je vais lui prendre, c'est ce que je lui prendrai pour quand je vais déménager, parce que je la laisserai dedans jusqu'à temps que tout soit nickel chrome. C'est-à-dire que la porte soit fermée, en fait. Et qu'il n'y ait plus personne qui fasse des va-et-vient. Mais je ne vais pas emmener. Bon, bref, je vous raconterai ma life une autre fois. Hein. On est là pour les retours de cours. De la mâche, 70 centimes. Avec de la betterave, c'est impeccable. J'ai pas déjeuné. Il est très tôt parce que j'ai voulu partir très tôt ce matin. Du coup, j'ai pas déjeuné. Et il n'y avait plus que ça. Il n'y en avait plus que deux. Petit pain à la crème. Alors, c'était 1,50, 1,45, moins 25%. Mais limite, voilà, je vais le manger ce matin et cet après-midi. J'ai pris une baguette pour manger avec du fromage, avec l'ortolan. L'ortolan est plaît tellement qu'il donne du bonheur. Vous en faites pas un peu trop, là? Et un petit peu de beurre, une lichette de beurre. Alors ça, je sais pas combien j'ai payé, elle venait de les mettre. Et je me suis dit, waouh, je peux les congeler. Elle m'a dit oui, je dis, mais attendez, si je peux les congeler, je vais les mettre direct dans mon congélateur, quoi. Voilà, donc j'ai pris ça. Je sais pas le prix. Ça, c'est un vin. Bah, franchement, un vin, c'est pas cher. Hein. J'ai pris deux tranches de jambon. Voilà, quatre tranches de jambon. En fait, le truc, c'est que je préfère pas acheter par 4, je préfère acheter par 2, comme ça, je ne l'ouvre pas tout de suite. Un concombre, ah, là, j'adore parce qu'il est fin, il est long, j'adore. 90 centimes, quelque chose comme ça. Voilà, mais je ne vais pas le faire à la façon comme on fait. Non, je vais faire autrement. Ensuite, j'ai pris. Après, je vous montrerai les petits trucs que j'ai achetés originaux. J'ai pris ceci. C'est des parties mix, alors c'est original, 1,35€. Je sais pas, je connais pas original, je sais pas ce que c'est comme goût, peut-être elle aimera pas, mais bon. Ensuite, c'est pas fini, hey, j'en ai même pas eu pour 50€. Pour vous dire, hein. J'ai beaucoup de choses. Hein. Un deuxième paquet pour ma fifille. Des tomates, alors cette fois-ci, j'ai pas pris des tomates ananas, j'ai pas pris des tomates machin, j'ai pris des tomates à 1,99€, provenance France. À mon avis, elles vont être creuses, hein, parce que moi j'ai l'habitude de voir des tomates bien charnues. Mais bon, voilà. J'ai repris des cerises, parce que la dernière fois, j'ai acheté des cerises, je les ai détestées. Et là, elles viennent de Provence, donc elles devraient être bonnes, et j'espère qu'elles sont pas. Non, elles sont moins dures que les autres que j'avais achetées. C'était bizarre, celles que j'avais achetées. Je regarderai d'ailleurs dans mon dernier haul au champ ce que c'était comme cerise. Et là, du coup, bah, c'est des cerises, tout simplement, de Provence, des Bigarro. 3,49€. Vous vous rendez compte que même au mois de juillet, on trouve encore des cerises. Ça, je vais le manger ce midi. Alors, c'est du boulgour, quinoa et comté. J'ai payé ça 3,45€. Ça a l'air sympa. On dirait qu'il y a une pomme là. C'est marrant, regardez, on dirait qu'il y a une pomme ici. Mais il n'y a pas de pomme en fait. Avec la queue, avec le truc là. Je sais pas si. Toi, tu trouves? Moi, je trouve, on dirait qu'il y a une pomme de loin. Bref, voilà, je vais manger ça. Boulgour, quinoa et comté. C'est très bon, très sain pour la santé. J'adore le comté. Des œufs. Cette fois-ci, ils ne sont pas cassés. Je ne sais pas combien. 1,40€. T'as vu que je prends beaucoup de produits au champ. Hein. Bah tu sais, hein, l'argent part vite, hein, donc faut faire attention. Hein. Et là, franchement, des prunes, moi j'aime les prunes. Hein. 2,99€ les prunes. J'espère que c'est pas comme l'autre truc des cerises, là. Le goût bizarre. Attends. Attends. Merde. Non, elles viennent d'où? Je dirais qu'elles viennent de Pologne. Attends. Portugal. Elles viennent du Portugal. Ensuite, salade Alaska, j'adore, 2,40€. Et là, par contre, pour le même prix à Auchan, alors ils se foutent de la gueule du monde,
J'ai payé ça 1,45 € du Bonduelle. C'est ma marque Bonduelle en plus. Et l'autre, la marque Auchan, c'était 1,45 €. Et j'ai trouvé qu'il était plus joli là. Donc j'ai pris celui-là. Voilà. Moi, je le mange avec du jambon. Et pour finir, 2,99 €. Enfin, pas pour finir encore. La pastèque. Il paraît qu'il faut faire ça. Et que ça craque. Voilà. Donc tout ça, c'était super lourd. Hein. Je te dis pas. Hein. Alors attends. Déjà, excuse-moi, mais je le remets là. Parce que je vais aller le remettre dans mon frigo. J'ai trouvé ça. C'est tout nouveau. Enfin, pour moi, c'est nouveau. Pour faire la vaisselle. Peau sensible en plus. Arbre vert, moi j'adore, c'est ce que j'utilise pour la lessive. Peau sensible, ben, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Là, j'ai pas d'eau chaude, donc je ne vais pas l'essayer. Mais lundi, j'ai de l'eau chaude, je vais l'essayer. Et voilà, ben, c'est pour faire la vaisselle. Tu as déjà vu ça? Savon liquide pour faire la vaisselle, je ne savais pas. Je savais pour les cheveux, je savais pour plein de, pour le corps. Mais je ne savais pas pour les détachants aussi, mais je ne savais pas pour faire la vaisselle. Donc, ça sent pas mauvais. Hein. On va essayer. Alors là, du coup, j'en ai pour longtemps. Hein. Je ne sais pas comment il faut faire. À mon avis, il faut mettre sur l'éponge. Je verrai. Et j'en ai marre des boîtes qui prennent toute la place. Je vais les donner, les autres. J'en ai ras la casquette des boîtes. J'ai acheté des boîtes Action, mais en fait, pour les ranger, il me faut tout ça, quoi. Alors que maintenant, il me faut que ça. Les couvercles sont à l'intérieur. J'ai payé 3,99 €. Je suis trop contente. Et en plus, elles sont jolies, hein, avec les couleurs et tout ça. Et du coup, voilà, ça fait toute cette quantité-là, mais comme ça. Maintenant, pour ranger les boîtes, ça va être super. Je n'ai plus besoin de 10 000 boîtes. Et c'est toujours la marque 5-5. Et sincèrement, pour 3,99 €, ben, ou 3,49 €, je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Non, je crois que c'est 3,99 €. Ouais. Mais même 4 €, tu te rends compte? Voilà, et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la toute petite. T'as vu ça? Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais je me dis, attends, wow, tu fais une salade, tu l'emmènes et tout. Alors, te dire si ça va au micro-ondes, je ne pense pas. Je pense pas que ça va au micro-ondes, mais c'est pas le but, moi. C'est surtout pour transporter et puis pour mettre dans mon frigo. Trop contente. Voilà. Boîte conservation. Tu vois. Voilà. Écoute. Voilà, voilà. C'est fini. C'est Fifi. C'est Nini. Les courses de Sybille. Maintenant, elle va les ranger au frigo. Oh. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était une musique, non, je ne sais pas, franchement. C'était une musique du parc Astérix, c'était La Belle Balade. C'est Fifi, c'est Nini, La Belle Balade. Astérix, Obélix et leurs camarades. C'était trop mignon. Bref, allez, Sybille, arrête de repartir, de régresser. Et après tout, si, j'ai le droit de régresser. Bon, allez, sur ce, je te fais des bisous. Et je te dis bye bye. Eh, hey, oublie pas surtout, mets un petit pouce et abonne-toi.